et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TedisVap. Aujourd'hui nous sommes le 8 décembre et c'est le 8e jour de ce calendrier de la vape. J'espère d'abord que vous êtes tous abonnés à la chaîne parce qu'aujourd'hui on va parler d'une innovation. Il y a plusieurs problématiques dans la cigarette électronique. On sait que c'est assez irritant au niveau de la gorge et on sait aussi que ça déshydrate beaucoup plus vite. Aujourd'hui on a une solution qui se décline en une puff. La puff qui se trouve juste ici c'est Aqua de chez Vapen. Et du coup, sans plus attendre, on va retirer le petit capuchon parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore testé. Et cette petite innovation, c'est un pod à base d'eau. Il y a plusieurs composants dans cette puff, du coup, c'est du PG et du VG, forcément, du propylène glycol, de la glycérine végétale, du sel de nicotine, de l'arôme, et attention, on a de l'eau. Donc l'eau, pourquoi de l'eau? L'eau, ça va éviter la déshydratation, ça va réduire le risque de déshydratation, réduire le risque d'irritation. Ça va permettre une meilleure diffusion de la nicotine dans le corps et vous allez avoir une vapeur beaucoup plus pure, tout simplement. Donc avant de tester, sachez qu'on a 2 ml de contenance là-dedans, une batterie de 500 mAh. C'est une capacité environ de 650 puffs. C'est disponible en 0,9% de nicotine, donc 9 mg, ou 2%, 20 mg. Il y a au total 10 saveurs disponibles sur ce Aqua de chez Vapen. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va voir ce que ça donne cette puff à base d'eau au niveau saveur et niveau vapeur. Écoutez, la saveur elle est vraiment bonne. On est sur raisin aloé, enfin aloé raisin. Un mélange de raisin et d'aloe vera. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aloe vera, j'aime beaucoup le raisin. Et le raisin, c'est la saveur un peu de l'année. On voit beaucoup sur cette fin d'année des puffs à base de raisin, des liquides à base de raisin. C'est une saveur qui revient vraiment en force. Et l'aloe vera, jamais déçu, hein, vraiment jamais déçu. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau de la saveur par rapport à l'eau? Difficile à dire parce que les saveurs ne sont pas les mêmes sur tous les pods, forcément, sur toutes les puffs. Mais on ressent quand même ce petit truc en plus qui est, justement, on a une vapeur beaucoup plus pure, on a quelque chose de beaucoup plus pur, donc c'est plutôt intéressant. On a une vapeur qui est digne d'une puff, mais on a des saveurs qui sont vraiment très très bonnes. Donc bah, écoutez, je vous mets le lien en description. Moi, ça fait un petit moment que je voulais la tester, elle est dans l'armoire juste ici, à attendre ce tournage justement, donc écoutez, n'hésitez pas, foncez, moi je suis vraiment pas déçu, je suis vraiment charmé par ce concept à base d'eau maintenant, à voir si ça fonctionne vraiment, si ça change quelque chose vraiment, écoutez, n'hésitez pas. Et en plus, le petit truc en plus justement, c'est que vous avez ce petit collier, voilà, donc ça c'est vraiment un petit détail, vraiment estampillé, donc c'est assez élastique, hein, estampillé Vapen, pour pouvoir mettre votre puff autour de votre cou. Donc écoutez, voilà, c'est si vous voulez l'avoir partout, écoutez, vous avez la solution avec ce petit collier avec votre puff au bout, voilà, tout simplement. Donc écoutez, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment sympathique cette Aqua de chez Vapen, le lien en description. Je vous répète, abonnez-vous à la chaîne, beaucoup de choses arrivent. Nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous. Thank you.